Un Naples en difficulté, l'Inter qui défend son titre, un combiné. Retrouvez tout ça dans ma vidéo Coupe d'Italie. C'est la toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur les matchs de Coupe d'Italie de cette semaine. Pensez à bien vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et retrouvez tous les matins à 7h notre vidéo Bet Flash du jour. Un récap de toute l'actualité autour des paris sportifs et des jeux de tirage de l'FDJ, ainsi que nos meilleurs pronostics du jour. Et si vous voulez suivre mes pronostics sur les matchs de Coupe d'Italie, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui propose l'offre suivante. Votre premier dépôt est doublé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention, je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc, misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc, cette semaine, on aura deux matchs de Coupe d'Italie comptant pour les huitièmes de finale, un mardi soir et l'autre mercredi soir. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mon pronostic sur chacun des deux matchs, ainsi que le score exact que j'imagine. Donc on commence par le match entre Naples et Frosinone. Donc Naples est cinquième en championnat, il a déjà pris du retard sur les deux locomotives de tête. À domicile cette saison, cette équipe est assez moyenne et elle n'arrive pas à trouver la solidité qu'elle avait la saison dernière. Frosinone est 13e avec un petit matelas d'avance sur la zone rouge, mais cette équipe a vraiment beaucoup de difficultés en déplacement. Ces deux équipes sont déjà jouées en Serie A cette saison, lors de la toute première journée, et Naples s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Frosinone. C'est l'entrée en lice dans la compétition pour Naples, alors que Frosinone a déjà éliminé le Torino au tour précédent, par exemple. Je vois une victoire assez tranquille de Naples à domicile, donc sans grande surprise, mon pronostic, ce sera, je vous l'affiche tout de suite, pardon, la victoire de Naples, côté à 1,45, et j'imagine bien le score de 2-0. On passe maintenant au match de mercredi entre l'Inter et Bologne. Attention à cette équipe de Bologne qui est dans une bonne dynamique. Mais à l'extérieur, cette équipe a du mal à gagner et elle réalise pas mal de matchs nuls. L'Inter est dans une forme incroyable. Cette équipe est très difficile à battre en ce moment. Début octobre, ces deux équipes se sont affrontées et Bologne avait accroché le nul de partout à San Siro. Donc cette équipe est capable de rivaliser dans certains matchs avec l'Inter, donc attention. Mais dans ce match de coupe, je vois l'Inter piller le match en 90 minutes. Donc sans grande surprise là encore. Je suis parti sur la victoire de l'Inter qui est cotée à 1,48. Et ici, je vois bien un match un peu plus fermé et le score se terminer sur un 1-0. Donc voilà pour mes deux pronostics sur les deux matchs de Coupe d'Italie de cette semaine. Donc le combiné que je vous propose, vous l'imaginez bien, c'est celui-ci. C'est le combiné avec la victoire de Naples plus la victoire de l'Inter. Ça fait un beau combiné à 2,15 de deux équipes qui sont à domicile et qui sont favorites. Donc si vous misez vos 100 euros de Winamax dessus, si le combiné passe, vous remporterez 215 euros. Dans tous les cas, si vous faites un premier dépôt de 100 euros, vous aurez 100 euros de free bet vu que votre premier dépôt est doublé chez Winamax. Pensez à bien vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour ces deux matchs de Coupe d'Italie. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.